Il y a des sports dont on ne parle jamais. Prenez le biathlon. Il se trouve encore des gens pour croire que cette épreuve tire son nom d'un petit village suisse, théâtre d'une grande bataille, après laquelle un fantassin helvète courut jusqu'à Berne pour annoncer la victoire et tomba mort en arrivant parce qu'il n'avait pas voulu lâcher son fusil. C'est pas ça du tout. Le biathlon combine deux spécialités, la course de fond et le tir. Et si la plupart de ces champions sont militaires, douaniers, gendarmes ou policiers, à qui la faute? Magnar Scholberg, Norvège. Zéro pénalité. C'est donc un tireur parfait. 1h13min40. Avec 2 minutes de pénalité, en total 1h14min40. 1h18min27. Médaille de pénalité. France. Qui est Soferer, le vétéran de cette épreuve, qui a été d'abord un très grand fondeur et qui se dédie maintenant corps et âme au biathlon. La luge, c'est autre chose. Elle a contre elle son nom, qui fait penser aux petites filles modèles. Entre cette image et celle d'un engin qu'on pilote à 80 à l'heure en tirant sur des rênes de cheval, avec la perspective en cas de chute de recevoir ses 20 kilos par le travers, il y a une marge. Mais rien à faire, champion de luge, ça ne fait pas sérieux. C'est donc pour réparer une injustice millénaire que nous vous enjoignons, spectateurs, de bien écouter et de ne jamais oublier que les champions olympiques de luge à Grenoble s'appelaient Burniak, Köhler et Schmidt, deux Allemands de l'Est et un Autrichien. Ah.
et Ludmila Belousova. Thank you.